Ok, re. La bouche pleine. Désolé, je suis en train de... j'ai pris un bout à manger au en chemin. Vous avez pas vu, mais j'ai failli me casser la gueule sur ma chaise il y a 2 secondes, là. Je cherche la bonne scène, voilà. Là, on est bon. Salut, c'est moi. J'ai pas rallumé la lumière. Attendez, je reviens. Je me suis juste rendu compte du fait qu'il n'y avait pas de lumière parce que le retour caméra, il était sombre. Sinon, j'aurais été full dans le noir, j'aurais rien capté, c'est pas grave. Je cherche quoi? Je cherche, faut que je remette la bonne scène déjà. Non, j'ai la bonne scène déjà. Faut que je ferme la musique. C'était quoi, Zelda's de la baille? C'est très bien. Et que je relance ce jeu. Bon, j'ai mangé du pain au passage, je pensais du pain brioché qui est trop bon. J'ai acheté la boulangerie tout à l'heure. C'est vraiment un banger, hein. Alors, juste avant, j'ai fait une quête de maître machin, là. Maître assassin, je pourrais en refaire une, je pense, normalement. Oui, je pourrais en refaire une, j'ai mis... J'ai la flemme. Pas vous mentir. Par contre, je vais retourner... Ah non, je vais à la banque, d'abord. Et après, je retourne à un truc de maître assassin. Pour la suite, quoi. Enfin, juste pour gérer mes assassins rapidement et après je vais faire la quête principale. C'est vrai que là, juste recommencer comme si j'avais juste fait une pause, mais c'est vrai que j'ai relancé l'enregistrement, du coup, c'est pas. Pas très optimisé de faire ça comme ça. Enfin, c'est pas optimisé le bon mot, mais c'est pas. Pas comme ça que je devrais faire, on va plus le dire. Mais c'est pas grave, vous m'excusez, hein. Au pire, vous allez voir la vidéo juste avant. Je vous invite d'ailleurs à voir les autres vidéos et surtout à vous abonner YouTube, vous venir suivre Twitch et même vous abonner sur Twitch. Vous avez cette option là aussi. Vraiment, c'est incroyable. Si vous êtes abonné Prime, enfin Amazon Prime, c'est gratuit. Et ça, c'est un banger. Pourquoi je des cibles? C'est encore le même mec en plus, hein. Pourquoi est-il ma cible? Je veux vous parler. Vous avez vu ce qui s'est passé sur mon territoire? Bah oui, j'ai bien vu. Regarde, il se regarde lui-même mort. Je sais pas qui c'est, je comprends pas. Voilà. Écoute-moi, c'est pas grave. Ça, pour l'instant, je m'en fous. On va juste à mon repère pour l'instant. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi il y a une cible comme ça sur la map pour zéro raison. C'est pas important, j'imagine. Enfin, le jeu, encore une fois, passe de hyper bruyant à hyper silencieux. Ah, évidemment, fallait passer par l'écho aussi. Ça, c'est le pire truc, je pense, quand il y a l'écho comme ça. Alors. Nous, on passe là-dedans. C'est quoi ça? Ah, c'est un coffre, my bad. Quoi, ça rame? Alors, pas monter niveau. Ah, il y en a encore qui font en mission. 8 minutes. Ouah, 8 minutes les 3 là. Hein? Alexandrie. Non, ça c'est encore. Écoute, 500 XP, on va faire confiance à lui. Ouais, écoute, ça sera ok. Lancer la mission, pourquoi? Vas-y, let's go. Je vais pas en faire d'autres, Alexandrie. Hein. Pour l'instant, Athènes. J'ai pas mon niveau 14 encore. Reconquérir la ville, ce sera pas faisable par un seul. Comme ça. 400, c'est pas beaucoup. Hein. Enfin, on va faire ça comme ça, du coup. Admettons. Ça. Ah oui, d'accord. Ça, c'est vraiment pas incroyable, c'est pas grave. Bravo mon pote, et le reste on va pas les envoyer hein, du coup. Ok. Ça c'est fait. Et on se casse. Et maintenant, on part pour la mission principale. J'ai pas lancé la bonne, le bon menu, je voulais aller dans carte, je voulais aller dans pause. Désolé, je mange en même temps, mais ça, vous me pardonnez. Ici du coup. Moi j'ai pas ça. Moi j'ai jamais fait les deux en bas là. Là j'ai la flemme pour le coup, mais pourquoi? Ma foi. Je vais pas aller à pied ici. Non, je vais aller à sud ou moins. Pas de passage. Ah si, là. Ok. J'ai déjà 5 minutes et je n'ai encore rien fait. Ça c'est pas beau ça.
Non, c'est pas beau. Oula. Salut mon pote. Tu n'as plus rien à dire. Alors, porte sud. Enfin, porte sud plutôt. C'est pas une porte. Bon, vraiment, ces couleurs rendent trop bien, je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Hop, et je vais donc. Ici, de ce pas, il y a une banque en chemin. Il y a une banque pas loin, donc on la prendra. Si j'ai les fonds, évidemment. J'ai les fonds, évidemment. Donc on fera ça. Nous sommes partis, donc 5 minutes. 5 minutes d'enregistrement. 6 minutes même d'enregistrement maintenant. Et c'est parti pour au moins une bonne heure et demie, je pense. Hein. Et après ça, je pense que je suis prêt. Peut-être que j'irai jouer à Jedi Survivor, je vais pas mentir. Quoi qu'en vrai, il sera. Ah non, oula, il sera 1h30 du match, ouais, j'aurais peut-être dormir en fait. Oups. Ou pas, peut-être que j'irai jouer même à 1h30, je m'en fous. Aussi grave. C'est quoi ça? Forgeron. Non. Pardon. Banque. Bon, parfait. Alors, on va voir si j'ai des sous dans le coffre, j'ai pas vérifié. Enfin, je sais pas, ça fait 20 minutes déjà depuis que j'ai récupéré tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça fait, surtout en fait. J'ai la même chose quasiment en vrai. Alors mon petit pote. J'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas marqué dans combien de temps j'ai l'argent? Pas marqué hein. Dommage. J'aimerais bien les mecs soient marqués. Et tu sais quoi? Je vais acheter ça. Parce que je suis un gars comme ça quoi. Je suis le mécène de cette ville. Incroyable. Bah oui. Armure. Non, réparer déjà, oui. Non. Ah, non. Bon, armure. J'ai rien de mieux à acheter, du coup, j'ai tout préparé. C'est logique, au final. Arbalète, j'ai pas assez, évidemment. Jamais assez pour le. J'ai pas à vendre, je peux pas leur vendre des trucs. J'ai pas fait attention. Ah merde, je suis connu. Oh, je suis connu. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai pas vu si j'avais fait quelque chose de mal, mais. Tant pis. On peut pas vendre. Triste, hein. Ok, déçu. Bah ouais, dis-toi. Ah merde, je voulais pas que ça lance ça le sens direct. Mais l'argent restera avec moi tant que je n'aurai pas vu la cargaison et évaluer sa qualité. Oula. Entendu. Mieux comme ça. Un homme avisé, Manuel. Sans cynisme, la confiance est dérisoire. Le compte est bon, Tariq. Tout est là. Et maintenant, tu pourras accéder à l'arsenal. Quand tu l'auras vérifié, la cargaison nice. Te sera livrée là où tu le souhaites. Tes hommes sont prêts à voyager. Absolument. Parfait alors. Non, ça me concerne pas. Ça. Une carte qui te guidera. Non, c'est pas parfait pour moi. Peut-être. Youssouf. Nous ici pour la même raison. Un de mes hommes aurait vu une cargaison. Ça faisait longtemps, lui, que j'avais pas vu. L'arsenal. Cela m'a intrigué. Des armes. J'aimerais les voir de mes propres yeux. À moins de tuer tout le monde, je ne vois pas comment entrer. Nous t'avons prévenu deux fois. Aucun marchand aux abords de l'arsenal. Débarrassez-moi de ça. Hypocrite! Si vos hommes n'achetaient pas mes fruits, je les vendrai ailleurs! Vous êtes pire que les Byzantins, sale traître. Ah oh. Surveille ta langue, vermine. Bah ouais, mon pote, là, c'est bien que ça n'a pas fonctionné bien, ça, ce que tu fais. Les pauvres sont toujours en guerre. Donnons-leur une chance de crier leur colère. Ah, servir notre cause. Ça, c'est mon pote, ça. C'est ça qu'on aime. Mon camarade, même, je dirais. Alors, Tariq envoie un homme appelé Manuel à l'arsenal. Créer une émeute pour distraire les gardes et entrer dans le bâtiment. Pour la synchro totale, assurez-vous qu'au moins 40 émeutiers survivent. Ok. On va tenter ça. Feindre la solidarité pour servir nos intérêts. Voilà.
n'en suis pas fier. On va mettre le feu ou poudre. Ok. Ah, je suis maintenant anonyme, ça c'est bien ça. Ok, c'est parti. Vas-y, dealer. Oula, désolé. Hop là. J'ai plus 300 balles de faire ça, mais c'est pas grave. On retourne voir Youssouf Tazim. D'Istanbul. Ouais. Cette porte ne résistera pas longtemps. Le peuple te rend un grand service, Ezio. Assure-toi que personne ne soit blessé. On va essayer, ça c'est compliqué. Quoi. Oh, let's go. Mais avance, 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 plus que ça. Let's go. Il y a déjà des morts, hein, mais... Dans son dos, vite. Non, non. Vas-y. Merde, il a tué devant mes yeux. Ouf. J'ai donné un coup dans le micro, je suis désolé. Ok. Ok. J'espère que c'est les deux derniers du coup. Ok, ça a l'air d'être le dernier. Il en reste 53. Ok, là. Je me dis que c'est pas fini. Si. Ça a l'air. Ça a l'air d'être bon. Oh merde. Oh. Oh, let's go. Allez, dégage. Mais tue-le, au moment donné. Voilà. Vite, vite, vite. On n'a pas le temps pour ça. Je pense que j'essaie de tuer les autres avant. Parce que eux, c'est les plus durs à tuer. Du coup, je vais pas les focus maintenant, quoi. Autant tuer ceux que je peux tuer rapidement, comme ça, ils tuent personne. Tue-moi. Mais tu tues des gens dans le vide, Ezio. Qu'est-ce que tu fais, là? Tout le vide. Ah oui, évidemment que ça marchait pas. Ok. Ah putain, faut plus que mes émeutiers meurent là. J'ai pas le droit à plus de 40 ans. Il doit me rester 40 en tout, c'est bon? Ça a l'air bon. J'espère que c'est bon parce que je peux plus en perdre un seul là. J'ai foiré mon truc là dans le combat. C'est bon? Ça a l'air ok. C'est bon? Hein? Ah, ça lance une autre quête directe. Grâce à l'émeute, les portes d'Arsenal sont ouvertes. Découvrez ce qui fait Manuel. Réaliser un assassinat aérien depuis une tyrolienne. Putain, mon nez me gratte, c'est chiant. Vas-y, toi. Vas-y, attaque! Ouais, ça marche jamais, ça. Je pense pas que ça marche jamais, mais c'est que ça marche pas sur eux. Allez, c'est bon, je me casse. C'est bon, j'ai pas que ça à foutre de faire des combats nuls. Quoi? Je passe par où là? On fait le tour et tout, hein. Là, j'ai vraiment juste besoin d'un objectif là-bas, c'est ça? C'est un peu à chier là, non? Je suis même pas obligé de me battre. Suivez la piste de manœuvre. Okay. D'accord. Non, c'est rouvert. Et il faudra juste que je trouve une tyrolienne sur laquelle faire un meurtre. Pas trop de tyroliennes dans le coin. Il y en a une là-bas. On va essayer de choper celle là-bas.
Peut-être que je pourrais en faire une depuis. On va même récupérer le fragment d'animus ici là. Il y a l'air d'avoir personne en face. Ah, quoique ici. Voilà. Juste pour l'objectif facultatif et on est bon. On peut juste tracer maintenant. Je vais quand même prendre l'épée si jamais. T'inquiète. Désolé mon pote, mais faut pas me faire chier comme ça pour rien. Ah non, toi tu vas être chiant comme ça là aussi. J'ai pas de couteau de lancer, j'ai rien. Ami, je vais l'empoisonner hein. Ok. Quoi? Il vient de se dédoubler le bro. Il s'est dédoublé sous mes yeux. Ah mais oui aussi. J'ai oublié ma vie, oui. Est-ce que je peux pas juste jouer tranquille là? Vas-y. Il faut arrêter de se dédoubler aussi à un moment. Hein. Il se dédouble aussi? Non, c'est juste lui. What the fuck? C'est trop bizarre. Je veux voir, non, il se redouble pas encore une fois. Ok. Deux fois il s'est doublé, j'ai pas compris. Ah, là il y a des traces de pas par terre. Ok, je peux juste essayer d'avancer tranquillement. 20 ans dans cette ville à jouer la comédie. Et voilà enfin qu'arrive mon heure. Lorsque les Palaiologos retrouveront leur trône, n'oublie pas qui t'aura aidé à le reprendre. Rassure-toi, mon ami. Jamais je ne trahirai un homme aussi influent que toi. Mais fais preuve de patience. Rome ne s'est pas faite en deux jours. Je suis satisfait. Oui. Conduis-moi à mon bateau. Si un seul est endommagé, il n'est pas question que je paie. J'ai même pas trop suivi c'est qui ce mec en vrai. Je suis un peu perdu, je sais pas comment faire. Merde. Des fusils. Ah! Et Joe, t'es un peu con, c'est pas très discret. Échappez-vous de l'arsenal! Il y a de l'eau ici. Il va vous semer. Telle des graines. En graines, j'ai planté des radis ainsi que des romarins récemment. J'ai hâte qu'ils poussent. Plein de choses, mon pote. Je suis nager. Ah, je peux pas. Je peux nager. Ok. Ah, mais ouf. Oh, tu sais quoi? Allez. Non, mais. Bah oui, j'avais que ça à foutre, ramasser un corps en plein milieu, sans déconner. Des fois, je vous jure, je fais n'importe quoi. C'est fatigant. Ok. Je suis vraiment à la ramasse. Oh, c'est grand de l'arsenal, là. Ou il est grand, l'arsenal? C'est un arsenal? Oui, c'est un arsenal. Une arsenal? Je sais même pas. Je crois que c'est un arsenal, mais j'ai toujours dit ça de façon féminine. Alors, vu que là-bas je suis à Toulon, enfin je suis de Toulon, il y a l'arsenal à Toulon. J'ai... Enfin, la base navale c'est l'arsenal quoi. J'ai toujours dit. Enfin, j'ai toujours considéré ça féminine, féminin. Attends. L'arsenal c'est comment? C'est masculin ou féminin? Mais non, mais pas le foot, putain. Arsenal, définition. Non, pas défaite. Ah! Je sais pas écrire, c'est un délire. Définition. Nom masculin. Pas merde. Je sais pas, dans ma tête, c'est toujours féminin l'arsenal. Ok, bon, c'est un arsenal du coup, mais en vrai, c'est logique. Je sais que c'est un arsenal, mais. Ma foi. Je vous prie d'accepter mes excuses. Pas de soucis, mon pote, vraiment. Cette manche éthique est finie. Il n'y a pas de suite à ça. Maintenant, faut faire les bouquins. Faut faire le truc d'Altaïr.
On va faire le truc d'Altaïr du coup. Hein. On va aller ici, juste fait. Enfin, les trucs de Sophia qui après mène à la suite à Altaïr. Oula. Ah oui, mais j'aimerais bien descendre en fait, mais tu m'accorderas que c'est un peu mal rangé. Ouf. Dégagez! Qui t'a appris à faire ça? Ton père. Ah, c'est les couilles, lui. Hop, hop. On va faire la mission maître assassin. On va aussi gérer les assassins au passage. Hein. Et voilà. Bon, vous sachez où je vais. Comment s'est-il enfui? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Alors là, et Dieu, tu forces. Là, ça ressemble à l'entrée, c'est ça. Les entrées des trucs, c'est toujours les mêmes. Hein. Bon, on va affecter du coup un bro ici. Ça sera du coup Recep Fuat. Bienvenue, mon petit pote. On fera ta mission après. Vite, j'ai tes potes à gérer. Enfin, tes frères à gérer, même. Assassin. Oh, 5, t'es monté rapidement de niveau, toi, c'est trop beau ce qu'on fait. Ah oui, il est monté niveau 9, d'accord, ok. Et c'est tout bon. Lui, il est utilisé parce qu'il est niveau 10. Enfin, parce qu'il a été affecté, surtout. Alors, Alexandrie. Ah putain, c'est pas encore bon. Oh. Oh. 6000 XP? Ah putain, ça... Oh, ça va être chaud. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut même pas le coup en fait. Hein. Reconquérir la ville. Ah, là, reconquérir la ville, c'est facile là par contre. Ça, c'est marqué en facile. Ah, vu que c'est à 0%. Eh, mon pote, je vais te donner 1500 XP à toi. Hein. Profite. Voilà. Du coup, j'ai même pas besoin de faire les autres quêtes pour l'instant. On va partir à Athènes. Pour conquérir la ville, c'est un peu compliqué. Mais pas infaisable, apparemment. Voilà, ils y vont à deux comme ça, là c'est ok. Donc là, reconquête d'Athènes. Athènes, c'est bon, on peut arrêter Athènes. Damas. Pour conquérir la ville, ça va être compliqué, là. Oh, c'est faisable à deux. Let's go. Gênes. Là, reconquérir la ville, c'est impossible, hein, normalement. J'ai 3 niveaux 6. Attaquer un mendiant, quoi. Ça, 3000 XP, en vrai, ça peut être faisable à deux. Hein. 1500 chacun, c'est très bien. Pirirei, c'est pour explorer la région. Bah, écoute, mon pote, tu vas être le dernier à faire ça. Hein. Ok. Et du coup, on part en mission. Mission ça. Merhaba, mentor. As-tu déjà entendu parler de Lysistrata au cours de tes voyages? Oui. La pièce d'Aristophane? Tout à fait. Exactement. C'est une actrice d'ici dont le nom est inspiré de la pièce. D'accord. Je ne la connais pas. Pas bon, plus. Marchons ensemble. Il faut que je t'en parle. Faisons ça. Dis-moi tout. Alors, enquêter sur l'étrange femme qui se trouve sur la place. Accepte. Certaines rumeurs persistantes décrivent cette Lysistrata comme une femme particulièrement dangereuse. Ah ouais. Nous pensons qu'elle est responsable de la disparition de plusieurs éminents dignitaires de l'Empire. Mais vous n'avez pas de preuves. Non, mais... Évidemment. Aujourd'hui, nous la trouverons. La voici. Et elle n'est pas seule. Ah. Je la suivrai depuis la rue. Et moi depuis les cieux. Toi. Ok. Fais attention à tout ce qui semblera suspect. T'inquiète, j'aurais dû aller chez un forgeron avant de acheter mes munitions. J'ai pas pensé à le faire parce que là je suis vraiment à court de tout en fait. Pourquoi je suis monté ici, c'est de la merde. Ben voilà. Par contre, maître assassin, t'es quand même à chier, on est en recherche, non? Putain, mais je peux monter ce truc. J'ai pas regardé ce que c'était mes objectifs par contre sur celle-là. Éviter que votre apprenti ne soit blessé, mon pote.
Il est quand même un peu con. Ah! Bah oui, mais mon apprenti, je peux pas trop l'aider depuis les toits là. Hein. J'ai pas de couteau, j'ai rien. Oula. Mon apprenti s'est arrêté de faire le boulot, ça, c'est simple. C'est vraiment le nez qui me gratte. Bon, en enfer. Après, il est encore en train de se faire taper, lui. Non, tu m'as pas vu, tu m'as... Personne... Eh ! Désolé, mais ça m'énerve. En fait, j'aurais dû passer chez le forgeron juste avant. Juste pour avoir mes balles et mes couteaux. Surtout que j'ai pu avoir plein de couteaux normalement maintenant. Y'a pas un forgeron pas loin ? Évidemment que non. Par contre, du coup, là... Mon truc est déjà niqué. Bah, c'est pas grave, je m'en fous. Pas grave. Je vous ai déjà dit, la synchro 100%, je m'en fous. Attention à tout ce qui semblera suspect. Bene. Elle peut ne pas être suspect avant que je monte là-haut, moi. Enfin, suspicieuse plutôt. Non mais Ezio ! Oh le boulot, ça. Vraiment le gros débile. Laissez-moi tranquille. Ah, le gars discret, quoi. Toi, je te vois là-bas. Ok. Non, c'était discret, ça, t'inquiète. J'arrive. Voilà, c'est bon. On est là. Encore ? Ah, mais il est censé mettre assassin, lui, bientôt. Hein. Repérer, mais... je vais abandonner la mission juste pour aller m'acheter des munitions. Sinon, ça va être très chiant. Ça va vraiment être très très chiant. Comme ça, je fais. Couteau de lancer. Non, tu arrêtes. Fermez la mémoire. Moto qui fait du bruit dehors là. Pressant. Attends, je réponds rapidement au message. J'ai ouvert un snap sans faire trop attention. Je sais pas pourquoi j'avais mon téléphone, bref. Attends, hop. Ah. Ok, alors. Forgeron dans le coin. Premièrement, enfin, plus important là. Ça m'a mis où là? Où je suis? Ok, y'a pas de forgeron dans le coin, c'en est? Il y en a un là-bas que j'ai pas acheté. J'ai combien de thunes? Je sais pas. C'est quoi? Je vais aller là-bas, comme ça j'achète lui. J'achèterai la banque au passage aussi. Hop, et après je reviens faire la quête qu'il y a là-bas. Enfin, la quête que je faisais là. Je pourrais escalader, mais là c'est pas, ça vaut pas tant le coup que ça vu que je vais appuyer. Enfin, le magasin! Il est en bas, il est pas en haut. Je galère à trouver mes mots des fois, c'est un enfer. Qu'est-ce qui lui prend de s'agiter comme ça? Ah, si tu savais, mon pote, si tu savais. Ah, il me reste 20 000, j'ai de la thune en fait, j'ai plein de thunes. Incroyable. Allez, s'il te plaît, je. Merci. Alors, réparer, j'ai pas besoin là. Armure, t'as rien de nouveau. Arme. La nouvelle arme? Marteau? Je sais. Non. Munition, par contre. Oui. Ça me fait chier parce que je vais plus avoir assez pour acheter l'arbalète. J'étais encore à s'apprêter pour acheter l'arbalète et j'ai déjà plus la thune. Parce que j'ai dû acheter mes munitions. En vrai, j'aurais pu voler des gens pour acheter les munitions. Attends, on va voler des gens pour acheter l'arbalète, hein. Enfin. J'ai rien fait. Attends, elle est où la banque? Ah non, faut que j'achète la banque aussi, ça me coûte de l'argent. Peut-être que j'ai de l'argent à la banque. Alors, peut-être que j'ai de l'argent à la banque. Sait-on jamais. J'ai de l'argent à la banque, j'achète l'arbalète, sinon tant pis, je suis pas tard.
Pas très grave. En vrai, toutes les 20 minutes, là, ça fait 30 minutes que je stream, normalement j'ai de l'argent à la banque. Hein. Enfin, 30 minutes que je suis sur le... que j'ai relancé. Normalement j'ai de l'argent. Hein. Si j'en ai pas, c'est vraiment bizarre. Hein. Après, est-ce que c'est 20 minutes de jeu effectif? Je sais pas. Je crois que c'est ça qui comptait. Ah! Et j'ai suffisamment pour acheter l'arbalète! Pas de soucis, mon pote, vraiment là, tu me fais très très plaisir. On va devenir pauvre! Je suis pauvre d'un coup. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Oui! Munitions, carreaux d'arbalète, j'en ai plein en plus, parfait. Ah, ce fut plaisir partagé. Hein. Vraiment plaisir partagé. Là, on est très content. Ok, du coup, on doit retourner ici. Miséricorde. Oh. Le sang va couler. Quoi? Ça va, mais quoi? D'accord. Non, mais admettons. Hein. Je veux dire, à un moment donné, bon. Bah, ces jeux me font toujours autant rire. Hein. Allez, allez. Oh, mission succès là. Premier rang de vétéran, c'est cool ça. Je sais pas ce que c'est combien, mais c'est cool. Ah putain, c'est-à-dire que j'ai encore une mission maître assassin? J'espère pas. C'est-à-dire qu'il est niveau max peut-être, ça c'est cool. Ok, bonjour. Au moins lui, maintenant j'ai couteau de lancer, flingue et arbalète, je peux le protéger très bien. As-tu déjà entendu parler de Lysistrata au cours de tes voyages? Ah putain, on peut pas passer, j'ai mis pause. Ah! J'ai remis pause. La pièce d'Aristophane? Pas exactement. C'est une actrice d'ici dont le nom oui, j'ai entendu est inspiré parler de la pièce. Je ne la connais pas. Moi, je la connais, ma. Marchons avec... ensemble. Il faut que je t'en parle. Ça va, parle-moi. Éviter que l'apprenti soit blessé. Voilà, certaines ça, on va rumeurs persistantes décrivent cette Lysistrata comme une femme particulièrement dangereuse. Nous... Comment j'équipe l'arbalète? Pensons qu'elle est responsable de la disparition de plusieurs éminents dignitaires de l'Empire. Mais vous n'avez pas de preuves. Non, aujourd'hui nous la trouverons. Ah, c'est elle là, c'est la vrai. La voici. Attends, dégage, dégage, dégage. Dégage, dégage. Je la suivrai depuis la rue, et toi depuis les toits. Ça va. Fais attention à tout ce qui semblera suspect. Ouais, genre le gars caché là. Et attends, faut que j'y... aussi les couteaux de lancer ici. Toi tu me vois pas là. Le gars, tu me vois pas encore, je peux pas encore te viser normalement. Bon, franchement. Avance bro. Il est pas mort, si? Il est mort. Il a pas l'air mort, mais enfin... Pourtant si. Peux monter plus vite, Ezio, sans déconner. Ah, il est là. Plus vite! Non, non, ne me tuez pas, pitié! T'inquiète. Que Dieu me protège. Il ne faut pas... Allez, mon... Ah, il est vraiment trop long à escalader, Ezio, c'est un enfer. Ah merde, ils sont cassés déjà, merde. Monte. Vite. Dégage, dégage, vite, 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 vite. Vite, OMG, merci. Putain. Oh toi. C'est bon, c'est bon. Waouh, je... Concentrant, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bruit là. Dans le jeu, ça... C'est pas le plus palpitant des moments, quoi. C'est un peu... C'est chier. Non mais Ezio! Là, tu forces, vraiment. Ah oui, mais descends aussi. Putain. Et mon pote, il est en haut, là. C'est quoi, ça? Oh, il est en haut. Allez, plus vite, plus vite.
Non. Non, arrête, arrête. Je te jure, Ezio, arrête et rapproche-toi. Là, c'est très chiant. Là, c'est vraiment casse-cou. Allez. Je m'énerve comme si c'était un enfant, mais... Putain, à un moment donné, pourquoi lui, il est en haut aussi? C'est moi qui suis censé survivre, lui et toi. Je comprends pas, qu'est-ce qui branle? Tu voles mon créneau, là? Ma recherche, ça. Écoute. Ah, il me fait serrer, Ezio. Oh, y a pas de musique, y a rien, le jeu il est vide un peu. Ok. Ok. Ouais. Ah, il est ok, il est redescendu. Okay. Ouais, parce qu'il a attaqué à cette hauteur, c'est. Tellement qu'il redescende là. En vrai, les missions comme ça, maître assassin là, ça sont pas incroyables, là, sont pas vraiment ouf. Hein. J'ai l'impression qu'on est en moitié buggé à chaque fois, c'est bizarre. Le jeu qui fait pas de bruit en plus, là. Lui qui reste là-bas, qui monte sur les toits alors qu'il est pas censé. Très très bizarre. Ça va, bro? T'avances? Est-ce qu'elle sera encore attaquée? Non, ça va. Ok, ça s'est accompli. Là, c'est mon apprenti que je dois suivre. Ok. Alexandrie passe sous contrôle d'assassin, ça c'est très bien. C'est très let's go ça. Hein. Ok. Oh, Yaya assassin 3ème rang, ça c'est... Pour conclure la ville, c'était un échec, mais il y avait 100% de réussite. Comment ça, c'est un échec? Quoi? Non, ça je m'en bats les couilles. Comment ça, j'ai un gars qui est mort? Comment ça, Emmanuel, il est mort? Mentor. Elle a disparu. Nous pouvons encore la retrouver. Mais... J'avais 100% de réussite quand je l'ai lancé, j'ai pas compris, là. Ou est-ce que c'était 100% de pas réussir peut-être? J'ai pas compris. Vraiment très bizarre ce qui s'est passé là. Enfin, que je revois un peu. Oui, je regarderai le replay vite fait pour comprendre ce que j'ai fait. Lui, il finira mort ou en prison. Non, c'est pas ça là. Espérons que le récent changement d'administration. Trop de gens ont succombé face aux assassins. Qu'est-ce que je cherche? En fait, je dois chercher la meuf. Elle a pas l'air de non, je crois, je sais pas comment. Attends, c'est quoi? Localiser la comédienne et suivre sa piste. Ok, oui, c'est ça. Laisse-moi tranquille! Appelle la patrouille si tu veux, c'est toi qui me pousse. Bon, ouais. Dégage. Merde, ah! Je passe par là. Ok. J'ai attaqué trop tôt. Je elle a tué tout le monde. Assez rapproché. J'aurais dû arrêter cette sorcière. La vie est une école. Pas grave, mon pote, t'arrives, mais pourquoi il y a un gars qui est mort à moi là? Tu sauras te racheter. Ça m'intrigue de fou, pourquoi j'ai un gars qui est mort? Donc attends, les quêtes principales vont attendre vite fait là? Vas-y, on va ici, on va aller directement au repère, ce sera plus simple. Récep plus assassin 3ème rang, c'est cool. De 4ème rang même, ok. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire c'est le 4ème qui a été mis à assassin comme ça, j'en sais rien. Ok. Repère. Là je suis très perplexe de ce qui se passait, de comment j'ai un gars qui est mort. Oula, oups, désolé. Ça rame ici, c'est un... Vas-y, attends. Appel avec succès, ça c'est ok. Succès, succès, succès. On conquiert la ville avec Kierman et Emmanuel. C'est où ça? J'ai pas vu. Parce qu'ils me disent pas c'est quelle ville.
Ok. Ah, c'est niveau 9, vétéran. Troisième rang, quatrième rang. Ah, ok, c'est le niveau. Ok. Mais je comprends pas comment il est mort, je comprends, c'était marqué 100% de réussite. Je crois que j'allais vérifier ça, mais... Ça, c'est très bien, ça. Ah putain, j'ai une bonne... Ah merde, fallait que je monte ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai quand même une bonne team, là, mais... Et lui, combien de temps? 20 minutes en tout, j'imagine. C'était quelle ville, du coup? Ça, c'est assassin. Ça doit être Athènes. Donc, la ville que j'ai ratée, genre. J'ai pas retenté comme ça, du coup, je vais faire les autres trucs avant. C'est pas moins, con. Ça, pour 4000 XP, ça se fait à deux. Hein. Là, on est d'accord. Là, c'est 100%. Hein. On est bien d'accord. Il est marqué 100% de réussite. Pas 99%, c'est pas 0%, c'est 100%. Pour voler un baiser. Attends, j'ai même pas besoin de prendre lui, je mets les gens. Ah non, ça marche pas par contre. Ok, my bad. Ok, ok. On lance mission. 100% de chance de succès, on est d'accord. On va mettre le faux poudre. C'est toi qui peux aller. 100%, c'est bien marqué. Guerre d'usure. On va envoyer le niveau 7. Assassiner un héros. Eh, tu sais quoi, je vais même envoyer un niveau 9 là-dessus, j'en ai rien. Voilà, au moins c'est fait, il me restera plus que reconquérir la ville, et là ce sera bon. Aïe 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 aïe. Grâce à toi, nous sommes plus forts. Ah ouais, non, mais j'ai quand même foiré un truc, hein. J'ai quand même fait plus un gars, quoi. Ok. Maintenant j'ai la quête du bouquin qui est... Où elle est? Je ne la vois pas. Non, ça, c'est pas une quête. Ouais, ça. Et t'es où la quête du livre? Pas celle-là, ça c'est livre. Je sais pas ce que c'est livre. Tu sais quoi? Je vais aller voir ce que c'est livre. Juste livre comme ça, qui est pas mémoire de Sophia là. Ou la sortie là-bas. Pas trop deck, y'en a un qui soit mort sans raison là. Vraiment, ça me fait chier. Genre, je me sens menti par le jeu un peu. J'étais vraiment sûr qu'il y avait marqué 100% quoi. Pour moi. J'ai envie de vérifier sur vite fait sur Reddit. S'il y a déjà des gens qui ont dit qu'ils ont perdu une mission à 100%. Attends, c'est Assassin's Creed. Révélation. Lost. Et. Non, putain. Et. 100%. Merde, comment on dit 100%. Comment on dit mission? Mission. Vous marquez Reddit après aussi. Hein. Reddit. Je vois personne qui parle de ça comme ça. Ouais, en fait, parce que là, ça parle pour la synchronisation, donc c'est pas compréhensible. Enfin, c'est parce que le jeu. Enfin... Ah putain, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est horrible! Ça trouve pas ce que je cherche en fait. Ah, attends, lui j'ai le buté par. Je vais équiper l'arbalète vite fait. Dégage! Dégage le milieu! Ah. En hauteur, ça sera parfait. Hop là. Comment ils m'ont vu? En vrai, si, là, ils auraient pu me voir. Tranquille, je suis là. Avance.
Ah, bah il y avait la... Ok, parfait, il y avait une botte de fou. J'ai pas vu. On est ok. C'est bon ? C'est long, hein ? Moi, je vois ce que c'est le bouquin, c'est bon ? Ça m'a l'air bon. Ok. C'est quoi, faut être en hauteur pour ça, c'est ça ? Ouh ! Ah ! Ah, c'est tout là-haut, d'accord. Ah, c'est comme ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est avec les plans en hauteur et tout. Ok. Allez, plus vite que ça, merci. Ok, et là... localiser symbole de polo, oui, 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 je fais ça, je fais ça. Quoi ça? Ah, c'est le chemin du gars. Oh! Jure, Roro! Tu viens raid! OMG! Avec 15 en plus, putain. Merci. Et bonjour, et Hoss, du coup. Je crois que je l'ai déjà vu dans le chat, Hoss, non? À un moment. Bah écoute, merci beaucoup! Je suis sur Assassin's Creed. Normalement, j'ai changé de micro, Roro. Du coup, ça peut être bien. Ah, et en plus, il est déjà follow Eos. Ok, bon, parfait. Changer de micro, non, ça sonne mieux qu'avant. Enfin, je sais pas, tu me le dis, hein, si jamais, mais... Et le micro est bien, et attends. Je peux faire ça aussi. Et ça, c'est incroyable, je trouve. Ça, c'est incroyable. Je sais pas du tout si ça a pas fonctionné, ça a fonctionné, j'ai pas le retour son, mais normalement, oui. Ok, ça sonne très bien, ça veut dire que c'est parfait. Parfait. Exactement. Soyez témoin! Témoin de quoi, je ne sais pas, mais soyez-le. Je peux faire ça, attends. Beat. Ah ouais, les bruits de prout là. Si tu veux. Ah putain. Si tu veux un si j'ai un roux coincé. Si j'ai un roux coincé, je te le sors avec l'écho. Je sais que ça rend bien. On m'a déjà fait des retours sur ça. Et je sais que ça rend bien. Allez, plus haut, mon pote, plus haut. Allez, retape pas, tu peux faire des proutes, ok. On verra plus tard. Mais je pense pas que je puisse lâcher un prout dans l'écho. Non ! Oh, oui. Des retours, oui, j'ai... Comment s'appelle ? J'étais en vocal avec des potes et j'ai roté dans le micro avec l'écho. Ils ont trouvé ça très drôle. Je suis un gamin après, mais voilà, c'est quelque chose. Un prout à la bouche, ok, excusez-moi. J'espère que ça a fonctionné. On est toujours très mature ici. J'ai eu 26 ans récemment et ça, je le montre, quoi. Je le montre. Un prout à la bouche, mais bon, il est... Ouais, c'est bon, hein, désolé. C'est pas là que je dois aller, ouais. Je vais où, moi? En fait, je devais aller en bas, j'ai monté pour rien. Ok, on est reparti. Aïe, putain, mais genre, je m'énerve, moi. Ok, du coup. Ah, ok, je dois fouiller juste ici, d'accord, ok, my bad, j'ai pas compris. Je comprenais pas. En tout cas, vraiment, merci beaucoup du raid. Et je me rends compte que je vais devoir refaire mes alertes parce qu'elles sont pas si incroyables que ça, pas si intéressantes que ça. Enfin, elles sont pas si ouf. En vrai, je les aime bien techniquement, mais il faudrait que je fasse des trucs un peu plus personnalisés. Si à un moment j'ai la foi. Alors. Du coup, c'est juste ça, c'est juste récupérer un bouquin comme ça, ça ne m'avance pas plus que ça. Pas ouf. Tu as des sons. Quel genre de son tu veux dire? Vrai, mon son d'alerte, je le trouve pas mal déjà. Enfin, je le trouve toujours ok. Mais faudra juste que je change le fond, ouais. Enfin, plutôt l'image, parce que l'image, c'est une image que j'ai prise sur de Dofus, il me semble. Attends. Non, j'allais rejouer l'alerte pour voir l'image, mais je crois que c'est une image de Dofus. Mais ça colle pas de ouf. Comme pour les images quand on follow.
C'est pareil, c'est une image de Dofus, et quand on s'abonne, c'est une image de Final Fantasy XIV. Donc bon, pas incroyable. Je pense que j'essaie de faire des trucs avec plus avec le logo ou quoi, mais on verra ça plus tard. Les sons après, ils sont ok, je trouve. Mais après, si t'as des sons, des sons à m'envoyer, n'hésite pas, hein, je suis preneur. Il est où le truc que je cherche, en fait? Est-ce que j'aime bien Dofus? Oui. En vrai, Dofus, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Hein. Il est dans mon top 3, au moins. Je sais pas où je cherche, là. Je vais où, en fait? Vas-y, attends. On va se pointer dans la bonne direction. Pointer full sud, en fait. Full sud, oui, bah oui, du coup, full sud. Je m'excuserai, je suis perdu, là, dans le jeu. Y'a rien full sud, il se fout de moi ce truc. C'est pas ça. Bon, tu sais quoi, on va aller prendre un tunnel et on verra bien comment ça se passe. Hop. Non. Et d'ailleurs, tu me dis que j'aime bien le film, mais le son pour l'alerte de follow et le son pour pareil pour le raid, c'est aussi des sons de Dofus, hein, si jamais. Que je suis allé chercher dans les fichiers du jeu, c'était un enfer. Je me suis vraiment cassé la tête juste pour ça. Genre j'ai dû décompresser des fichiers propriétaires de Ankama et tout, c'était assez fun. Je pense que j'ai techniquement pas le droit d'utiliser ces sons là, hein, vu que ils sont quand même giga copyrightés. Mais... c'est même pas du MP3, enfin du coup le fichier que j'ai récupéré je crois que c'est du MP3. Mais sinon c'était des fichiers propriétaires à décompresser, genre c'était bizarre. J'ai dû installer un logiciel un peu shady et tout. C'est fun. Ah, il est là-bas mon livre, ok. C'est où? Ouais, c'est des assets, c'est ça? J'ai récupéré directement dans les fichiers du jeu. Hop. Ok, alors. Le bouquin se met ici. Eh, quel enfer, mais on va au bout des choses, quoi, pour trouver les bons trucs. J'aurais bientôt retrouvé deux autres livres. L'un près de Topkapi et l'autre dans le quartier de Bayezid. Bayezid, d'abord. Topkapi ne nous donnera rien. Ah, si. Pourquoi ça n'aurait rien, Topkapi? Que penses-tu donc de ceci? Oh, Ezio. Incroyable. Une ancienne reliure copte, encore en bon état. Ah, mais vraiment, Ezio, il ressemble à Florent Pagny, c'est un délire de fou, ça m'énerve. Il ressemble trop à Florent Pagny, ça me perturbe. Que s'est-il passé ici? Oh, ça arrive une ou deux fois par an. Des voleurs qui s'imaginent trouver de l'argent. Ah. J'en garde très peu ici. Une ou deux fois par an, mais ça fait combien de temps qu'on est là? Mais cette fois, ils sont partis avec un portrait. Ça fait si longtemps que le jeu se passe? Il va me manquer. Il y a déjà 10 000 ans, Ezio. Je me charge de le récupérer. Ezio, à l'heure qu'il est, le voleur a dû disparaître. S'il est venu pour de l'argent et qu'il a pris un tableau, il essaiera de le vendre, sans doute dans les environs. Logique. Eh bien, si tu le retrouves dans les prochaines heures, rejoins-moi près de l'aqueduc. Je vais le retrouver, t'inquiète même pas, t'inquiète même pas. Ah, pardon. Ok. Quelqu'un s'est introduit dans le magasin de Sophia et a volé un tableau de grande valeur. Pendant qu'elle travaille, retrouvez l'œuvre dérobée. Et synchronisation totale, voler le tableau sans vous faire repérer par le marchand. C'est parti. Est-ce que c'est loin le bazar? Est-ce qu'on y va à pied? C'est ça la vraie question de base. Non, c'est pas bon ça. On connaît ce jeu à nous mettre des points à l'autre bout de la map là. Trop chiant. Trop chiant. Allez. Cours sur tes deux jambes, ce sera très bien. ce n'est pas une entrée. Là, il y a une fenêtre, c'est parfait. Quel spectacle fantastique. Alors, qui êtes-vous? Qu'en as-tu fait là? À vous. Oh, mon pote. T'es où? Mais pourquoi il se cache derrière là? Je te frapperai jusqu'à ce que tu parles. J'ai trouvé ce tableau. Mais tire, putain! Fais pas que je le tue. J'ai mal compris, moi la cible est rouge, ça veut dire que je bute, hein. Ok. On va apprendre à lire les quêtes, je pense. Enfin, à les lire correctement. À vous. Je n'ai
Ah, faut que je le frappe juste, ok. Ok, ok. Sachez faire. Vas-y. Ouf. Allez, voilà. Mieux. Bon, c'est bon, il fallait que je bute, moi. C'est pour ça que j'ai sorti l'arbalète. Dis-moi juste où il est. Je l'ai vendu. Où il est? Un marchand. Oh. Du bazar. Pourquoi t'as vendu, mon pote? Il faut bien que je mange. Bien que je mange. Nourris-toi d'une autre manière, canaléen. Allez. On retrouve le marchand. On va encore vérifier la map, parce qu'on le sait. On connaît. Non, ça va, c'est pas loin. Est-ce qu'il y a une sortie? Oui, parfait. Ah, mais de toute façon, c'est encore dans le bazar. Oui, je suis trop con. Trop con, c'est toujours à côté. J'ai un tableau à vendre. Si cela vous intéresse. Vas-y, ça m'intéresse. Portrait. Regardez, on la croirait vivante. Quoi? Sa beauté vous éblouira. Voler le tableau. Ah, j'ai racheté le tableau, moi. Ah, je suis trop con, je l'ai acheté. Ah, je suis vraiment débile. J'ai juste interagi sans trop réfléchir. C'est pas grave. Je suis vraiment le pire assassin de ce monde, c'est un enfer. Hop, hop, hop. Mais non. C'est vraiment trop nul les yeux, je te jure. Ah merde, j'ai pas d'arme. Désolé. Plus douloureux que nécessaire, j'imagine. Mais faut se... Oh, voilà. Hello, Sophia. C'est assez réussi, qu'en dis-tu, Ezio? Je préfère l'original. Ouais. Bouffonné. C'était un cadeau de bouffonné, ça veut dire sacripant. C'est officiel, hein. C'est Ubisoft, ils ont dit bouffonné sacripant. J'ai assise pour Albrecht Dürer pendant une semaine. M'imagines-tu immobile pendant 7 jours à ne rien faire? Ça, non. Quelle enfer. Tiens, j'ai trouvé l'emplacement d'un autre livre. Il est d'ailleurs pas très loin d'ici. Vas-y. Grazie. Vas-y, je me repose mieux. De quoi s'agit-il? Dis-moi. Moi, je peux pas te dire plus. C'est plus qu'évident. Exactement. Hijo de puta, ça veut dire vilain garnement. Disons que je suis une sorte de professeur. Après, un jour, Sophia. Vas-y, je sais pas comment ça se dit en italien. Je vais dire Pio de puttana, dans le genre, pour ça. Je parle pas italien, moi. Synchro 50%, ce n'est pas grave. C'est pas acceptable, même, j'ai envie de dire. Et pourquoi je les vois jamais sur la carte, les putains de points des livres racistes? Et là, c'est my bad. Allez. Attends, mais c'était loin là. C'était giga loin. Bon, non, ok. Non. Je force peut-être un peu. Je force. C'est pas si loin que ça. C'est ultra faisable à pied. Et j'ai pas besoin de monter là-dessus. Hey, faites attention. J'essaye de faire attention, mon pote. C'est ça le pire. C'est vraiment ça le pire. J'essaye de faire attention. Je vais acheter la banque rapidement. Déjà toi, vas-y, sous-doigt, comme ça ma notoriété descend, vas-y dégage, hop, et la banque, c'est ça la banque, c'est effectivement la banque, oh 1800, ça fait mal, normalement ça devrait être dispo les thunes là, et pas de conneries, ça fait plus de 20 minutes déjà que j'ai récupéré. Le cas c'était 59 minutes de vidéo. Heure c'était 30 minutes. Tout à fait, j'ai l'argent. Rends l'argent, mon pote, merci. Ok. Pourquoi ma notoriété elle a augmenté d'un coup comme ça? J'ai rien fait. Vas-y, j'achète le silence des gars pour rien, en fait. C'est quoi ce délire? Moi, j'accepte pas ça. Hein. Est-ce que j'ai un repère d'assassin dans le coin, juste? Avant de faire la quête, là. Ouais, il y en a un ici, mais ça fait l'autre bout pour aller là. On fera ça plus tard, on enverra les assassins en mission juste après. Juste après ça, peut-être à la fin du stream, histoire de...
Pour l'instant, on est tranquille. C'est là-haut ? Ok, c'est là-haut. En fait, je suis un gros con, hein, parce que je dis c'est là-haut, mais j'ai le réflexe de monter ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais... c'est jamais quelque chose au-dessus de l'écran, mais... alors... Niccolò Polo a caché un livre près de l'aqueduc de Valence qui contient des indices du remplacement d'une clé de Massiaf. C'est Saint-Paul de Polo pour le détecter. Là-bas. Là-bas. Là, c'est celui-là. Nous sommes donc bardis. Allez. C'est sûrement pas très agréable comme bruit, je vais pas vous mentir. Désolé. Quel démon a bien pu s'emparer de vous ? Quel démon a bien pu s'emparer de vous ? Laisse-moi tranquille. Je vous jure, j'ai une haine. Une haine contre les PNJ d'Assassin's Creed. C'est les PNJ les plus vides. Genre vraiment les plus vides du jeu vidéo. Alors que c'est mes jeux préférés, hein, mais les PNJ, vraiment, c'est des coquilles vides. C'est un enfer. Alors, que dit le bouquin ? Ah, j'arrive pas à fermer ? Ok. Livre trouvé, et maintenant du coup faut que je retourne, j'imagine. Non, j'allais dire une connerie, j'ai dit faut que je retourne au repère, mais pas du tout. Pas du tout. Je vais d'abord retourner ici. Je vais à ce repère là pour envoyer mes assassins en mission. Et après on fait forum du bœuf débloqué. J'aurais aimé faire une blague avec le forum de poulet, un truc dans le genre, mais ça allait pas être drôle en fait. Alors vraiment, heureusement que je me suis arrêté avant, hein. J'y ai pensé, mais je me suis bien rattrapé quoi. Bien content. Allez, 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 monte. Monte-moi ça. Il est où le repère ? La musique est forte, là. Pourquoi il y a de la musique ? C'est quoi ce jeu où des fois il n'y a pas de musique, puis d'un coup il y a la musique forte, là je comprends pas. Ah voilà, je... fallait que j'en parle pour qu'il n'y ait plus de musique et que d'un coup ce soit trop... très calme. Y'a plus rien. Ok. Je vais pas me plaindre de la musique parce que dès qu'il y en a plus, on se fait chier. Alors. Mes petits assassins, le, ils vont bien ? Je n'ai pas les morts, on est d'accord, ils sont tous en vie cette fois-ci. Ah puis y'en a deux qui sont encore en mission ? 41 secondes. Ok, il est 12, on attend. On attend 1h04 de record et on relance ça. Comme ça, on est bien. Je vais lire ça rapidement en attendant, voir ce que c'est. C'est rien, appelez vos... ça, mais je vais jamais le faire, ça. Hein. Ah, ça débloque des trucs. Ah. Tant pis. J'ai vraiment la flemme de faire tout ça, moi. Indiquer une cible à vos assassins, appeler les assassins pendant un combat, j'y pense jamais à faire ça. Moi je me bats à main nue, moi. Comme les vrais bonhommes, comme les vrais assassins, bordel. Y'a rien à interagir d'autre ici, là, y'a pas une bombe. Oh, y'a un étage, OMG. Lire. Ah, mais ça je m'en fous. Moi je voulais prendre le coffre, en fait. Non ! Arrête ! Je cherche pas à lire des codex, là, je veux récupérer le coffre. Merci. Oula. Tapez dans le micro, pas ouf. Ok, c'est bon. Normalement, là, on est à 1h04 de record. Du coup, ça devrait être bon pour... pas bon encore. Combien de temps ? 9 secondes, il se fout de ma gueule. On attend 9 secondes, allez. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2... 4. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé à 9, mais bizarre. On est bon. Défense militaire. Non. D'abord les assassins. Il n'y a pas de montée de niveau ici ? Ah, lui encore indisponible pendant une minute. J'aurais pu attendre ça aussi. Non, on va pas faire ça. Je crois que ça a branlé.
Les autres, c'est bon, celle-là, ces trois-là. Ok, Athènes. On en est où chez Athènes? Reconquérir la ville, c'est pas encore ça. Oh. Oh. Ça fait beaucoup d'XP, ça, madame. Ah, il... Il leur manque un rien. On va devoir rajouter un niveau 7. Bon, c'est pas grave, mais... Ça aurait pu être mieux, en vrai. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Organiser un soulèvement. Ça, c'est faisable aussi. Avec lui à 100%. Voilà. Prends un petit pour un peu plus d'XP pour sa gueule, vu qu'il n'y a pas d'XP plus. Voilà. Pour conquérir la ville, pas encore. Ça, parfait. 100%, on est d'accord, c'est marqué. Hein. Et envoie un message. Bon, de toute façon, c'est pour 10 XP, ça, je n'ai rien à branler. Hein. Au moins, c'est fait. Voilà. Ok. On est parti pour... la mission livre, donc là où on va chercher le disque d'Altaïr. Et quelle heure? 1h06. Et 1h01 dans la vraie vie, hein, je dis des temps de record, ça fait 1h06 que je recorde. Donc ça sera certainement une des dernières activités de... On va dire activité de la soirée dans le jeu. Et après, ce sera l'heure d'aller... d'aller dormir, ou bien d'aller jouer à Jedi Survivor, je peux vous mentir. J'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai vraiment envie d'y jouer ce jeu. En vrai, j'ai hésité à le faire en stream à la base, mais vu que c'est sur la PS5, la PS5 est dans le salon, et que j'ai giga envie d'y jouer, j'avais pas envie d'attendre pour ça. Mais c'est pas grave en vrai, j'ai d'autres trucs à streamer. Je sais que j'ai ma mission niveau 40 à finir sur Guild Wars là encore. Donc ça, je le ferai quand j'aurai sûrement, peut-être demain ou lundi, on verra bien. Parce que je sais que je dois finir ça sur Guild Wars. Et... Je sais pas. Je trouve un autre jeu à streamer vu que j'ai fini Hellblade. Je trouve un autre jeu à part qui sera pas dans mes jeux que je fais le... Enfin voilà, c'est pas mon jeu fil rouge du vendredi quoi. Ou du samedi apparemment vu que j'ai pensé... J'aurais dû faire ça vendredi, mais j'ai pas cette idée, quoi. Ah, il est soigné, Yunar. Qu'as-tu trouvé? Une sorte de porte encastrée dans la roche. Ok. Ah, on va faire ça. C'est encourageant. La première clé a été trouvée derrière une porte de ce genre. Vraiment? Et comment l'ont-ils ouverte? Ce n'est pas. Ah. C'est le tremblement de terre. Ah. Nous ne disposons que de quelques tonneaux de poudre. Ah, il perd. Ça suffira. Et sinon, nous irons en chercher d'autres. Ok, ça fait beaucoup de poudre. C'est moi qui ai tiré. Ah oui, c'est moi qui ai tiré, d'accord. Enfin, Ezio, c'est pas moi, c'est Ezio. Alors, les pôles ont laissé un indice qui a mené Ezio au forum du bœuf. Hélas, les Templiers le fouillent également. Ne subissez aucun dommage, c'est impossible. Vous me connaissez, je suis à chier. Du coup, je vais subir plein de dommages. Déjà, je fais un peinard. Ok. Déjà, le temps me stresse, là. Le son est très fort. Je vous jure, ce jeu, il sait pas gérer son son. Général. Tu files en lurk, ça marche. Bah, bon lurking. Et à plus, hein. Merci. Et encore une fois, merci surtout pour ce raid. J'ai baissé le son, du jeu, c'est trop fort. J'ai baissé le son directement sur OBS. Hop, 5 secondes. Bonne soirée à toi aussi. Allez. Volume, allez. Putain, il est trop chiant ce stream deck, il est trop lent. Non mais arrête, il est en train de me baisser à moins 20 décibels tout seul ce con. Il va se mettre en moins... Le stream deck qui fait n'importe quoi, il vient de me muter le micro sans aucune raison là. Je vérifie, je suis toujours en stream, je suis en enregistrement, on est ok. N'importe quoi celui-là. Ok, j'ai réussi à me démuter. Je sais pas ce qu'il me fait, le stream deck, je vais passer directement par OBS.
Mais ouais, en fait, ça casse un peu les couilles quand ça fait ça, je peux mentir. Vas-y, moins 14, ça devrait être ok en décibel. Moins 14 dB pour le son. Parce que là, le son est fort. Ok, ça a l'air ok sur la barre. Ok. Non mais arrête Ezio, sois pas con non plus. Oh, oh. Ok, 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 ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Ok, mission envoie un message est un succès, super. Là, je dois juste la penser pour l'instant. Non ! C'était sûr, c'était sûr. Tu es un connard, Ezio. Tu es un connard. Je m'énerve. C'est moi le connard. Mais... Est-ce que ça me compte comme ayant perdu de la vie, ça, du coup ? Il y a moyen. Il y a grave moyen. Ah, quoique. Quoique, non. Hop les, hop les. Avance plus vite quand même. Ok, c'est passé cette fois-ci. Ok. Ah, oh, ça me stresse. Là, je commence à avoir le stress, OMG. Non, le tuez pas. Oh, ça m'a fait flinch pour rien là. Ok. Is ok. Par contre là, si je perds de la vie parce qu'il me tire dessus, je pète un câble hein, parce que. Et surtout, pourquoi il s'est pas accroché, Ezio? JPP. Vous avez déjà dit que JPP quand il fait ça? Allez. Attends, oula, le micro il fait. Attends! C'est bon? C'est bon. Ok, on va arrêter de faire nimp. Enfin, c'est même pas moi qui fais nimp, c'est le jeu qui fait nimp. Je vous jure, c'est pas moi. Ah là, il saute bien, ok. Ok, là, il a bien sauté. Mais oui, en vrai, le déplacement, il est pas bien foutu hein, dans ce jeu encore. Vraiment, c'est dans le 4 puis dans le 5 qui devient trop bien dans... Assassin's Creed Unity, il a vraiment le meilleur voyage. Trop bien fait, dedans. C'est un peu sombre, là, on voit pas grand-chose. Hein. Oula! Va falloir faire attention aux bombes. J'essaie de me rapprocher, hein, mais... me menace pas comme ça, quoi, le jeu, ça va aller. Allez. Ça va, tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Ah non, mais force pas. Pas très gentil de dire ça. Je vous jure, le jeu, il rame, là, je vois pas pourquoi. Hein. C'est putain d'Assassin's Creed de révélation. Le jeu est sorti il y a 10 ans. Oh, la musique, elle me met le stress en vrai. Hop les. Salut les potes! Ça dégage. J'ai vraiment des pertes de frames sur Assassin's Creed Révélation, c'est trop grave. Alors qu'à côté, j'ai des gros jeux qui fonctionnent très bien. C'est trop bizarre, vraiment pas bien opti quoi. Digne d'un jeu Ubisoft. Mais je les aime quand même, bien quand même. Je dois toujours pas perdre de vie là? Oh waouh!
Ok, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Ok. Ok. Waouh. Sans oleg pour trouver ma cible. Quoi ? Oh, il y a des trucs derrière les coffres, OMG. Il y a combien de coffres là ? Il y en a au moins 5. Ok, on ramasse tout ça. Je peux remonter le son du jeu maintenant, par contre. Je quitte... Enfin, je vais bouger ça pour mettre OBS. Je sais pas s'il était à 100%. Non, il était à 0, à moins 0. Hein, de base. Clairement, ça devrait être beaucoup mieux. Pardon. Ah, il y en a 6 en tout des coffres. C'est pas mal, ça. Vraiment bien. Allez. Ok. Cherche quoi par contre ? Ça c'est du feu, on est d'accord. Hein. Ah oui, il y a les portes là-bas derrière, ok. Ok, c'est my bad. Ah bah c'était la porte, c'est le milieu, parfait. Ouvre. Ah. La musique quand même toujours un peu forte. Mais là j'ose plus toucher au stream deck. Mais j'ai pas envie de couper la cinématique en plein milieu juste pour baisser le son, c'est trop chiant. Ok. Ça me fait pas sortir normalement. 1h17, je vais pas terminer maintenant du coup. Je vais faire la mission de la clé de Massia et je terminerai après celle-ci du coup, je pense. Ne vous en faites pas, c'est juste moi qui sors des égouts. Pas de soucis. Et comme ça, après la quête de Massia, ce sera très bien. Ah, il y a quelqu'un à aider dans le coin ? Son jeu est fort. Je pense que les moins 4 dB ils sont pas de trop quoi. Hein. Ouais, c'est quand même mieux, ça a l'air mieux. Non, flemme, je refuse. Je veux pas faire. Ah, oh, t'es pas obligé de me faire un temps de chargement pour refuser une quête, mon pote. Juste à me TP à côté, mais pas pendant le temps de chargement. Les missions comme ça qu'il faut vraiment faire un truc, c'est chiant. Et donc là on part au repère, normalement tout au nord, donc repère. Je vais du coup encore une fois rapidement gérer les Templiers, enfin oula non gérer mes assassins plutôt, what the fuck. Je vais gérer mes assassins pas mes Templiers et ce sera bon pour faire la quête d'Altaïr. On voit un message. Bon, ça, je m'en fous. Hein. Ils vont comment, mes assassins là ? Ah, il y en a encore 3 enquêtes là ? Dans 8 minutes, ok, on va les laisser tranquille. Ah putain, j'ai des villes assiégées ! Ok. Ah putain, je pensais pas qu'il y aurait des trucs comme ça par contre. 100% de réussite, on est d'accord ? Un espèce de chance de succès, 100%. Ok, c'est parti. Et Bursa aussi, défendre la vie avec mes... Non, eux, ça va pas être faisable. Donc Bursa, tant pis. Athènes... Faut conquérir la ville, c'est faisable. Là, ça marque 100%, donc normalement, c'est faisable. Hein. Ok, 100%, moi, j'y vais. Ok, et bah du coup on part. C'est déjà moi Damas ? Let's go. Pas pourquoi, mais parfait, ça me va moi. Gêne. Ouais, faut pas se gêner. Pourquoi je fais ça moi ? Pourquoi je fais ça ?
C'est quoi, on va juste... Ça, ça, il se fait tout seul, ça? Ah, j'en ai deux niveaux 9 dispo. Ok. Et... Let's go, allez. Normalement, tout est bon. Heureuse de te revoir, mentor. Tout de même. Et c'est parti pour la dernière quête de cette soirée qui va durer un peu quand même parce que c'est une quête de... d'Altaïr. Mais ça fait avancer dans l'histoire, ça. Hein. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'histoire d'Altaïr hein, dans ce jeu-là. Avec Massiaf et tout. Oh. Beau temps de chargement, quoi. La femme. Les Templiers ont reconquis leur sanctuaire de Chypre. Abbas n'a pas envoyé de renfort. Mais qu'est-ce qu'il est con, Abbas, des fois, sans déconner. Je mets pause vite fait, mais. C'est quoi ce mixage audio Assassin's Creed là? On n'entend pas ce qu'ils disent? On dirait les TikTok où ils mettent de la musique à fond alors qu'on veut entendre les gens parler? C'est quoi ça? Je râle, mais wesh! C'est abusé! C'est beaucoup trop fort! J'ai baissé le son de la musique à 1! 1 sur 10! Et les dialogues sont à 3! Allez, putain! Laisse parler la raison. Les hommes raisonnables écouteront. Maria Thorpe. Mais pas Abbas. J'aurais dû le renvoyer il y a 30 ans quand il a tenté de voler la pomme. Mais tu as gagné le respect des autres assassins en lui laissant la vie sauve. Comment le saurais-tu? Tu n'étais pas là? J'ai épousé un grand auteur d'histoire. Ça va, mon pote? Regarde cet endroit. Massia fait l'ombre de ce qu'elle était. Oh, quand même. Nous sommes partis si longtemps. Pour servir la cause. Les Mongols nous menaçaient, nous devions leur. Oh, les face. Mongols là? Qui Mongolo peut en dire autant? Désolé. Où est notre fils aîné? Darin sait-il que son frère est mort? C'est vrai qu'ils sont des enfants. Il y a 4 jours. J'espère qu'il l'aura reçu. Il a quel âge là du coup, Abbas? Il ne m'inspire que la pitié. Il est rongé par sa rancœur. Sa blessure est profonde. Seule la vérité peut le guérir. Ces rues que nous arpentons, il y règne la peur, pas l'amour. Abbas a détruit l'âme de cet endroit. Il l'a privé de sa joie. Nous oui. Allons devant d'un sort funeste, Maria. C'est possible. Mais nous y allons ensemble. C'est déjà ça. Palo va se reputer, par contre, ça me fait chier que ce soit maintenant. J'ai envie qu'elle soit maintenant, mais je crois que c'est... Enfin, je crois qu'il y a ce délire-là. Donc sur le moment où Altaïr... Non, Altaïr s'est pas buté vu qu'il meurt dans... Spoiler. Pas dire. Et ils vont se poser... C'est pas ça, y a pas... Ils vont se poser sur un banc, eux. Non, c'est pas ça. J'ai pu. C'est bon. Bah alors. Laissez-les parler. Ça va, la vérité sur la mort de notre fils. Pourquoi Sef a-t-il été tué? Vous voulez la vérité? Ça bat ça? Ou une raison de vous venger? Si la vérité nous en donne une, nous agirons. Ah, pas tort. En échange de la pomme, Altaïr, je te dirai pourquoi ton fils mais a pourquoi été. Pourquoi il casse les couilles encore avec la pomme, lui? C'est donc ça la vérité. Abbas veut la pomme. Ah, c'est pas Abbas. Pas si pour libérer vos esprits, mais pour les contrôler. C'est pas ça, Abbas. Tu la détiens depuis 30 ans, Altaïr. Tu te repais de son pouvoir et tu accapares ses secrets. Elle t'a corrompu. Altaïr l'a corrompu, peut-être. Bien, Abbas. Et si, c'est bien Abbas, ok, c'est ça. Quoi? Peur.
On est sérieux. Avant de tuer ton fils, je lui ai dit que j'agissais sur ton ordre. Il est donc mort en croyant. Mais t'es con de me dire ça là maintenant. Il va te tuer, hein. Bah oui. Mais t'es stupide, hein. T'es vraiment complètement con, mec. Non mais laisse-le faire. Laisse-le faire, il a totalement... C'est vrai que c'était maintenant. C'est maintenant qu'elle... Sois fort, Altaïr. Aïe. Il est possédé ! Tuez-le ! Il a l'air possédé ! C'est toi, t'es complètement con, Abbas, je te jure, t'es un débile, Abbas. Tout de suite ! Quoi ? Et j'ai pas d'arme ? Ah si, mais sors ton épée, voilà, merci. Mais c'était bizarre, là. Péon ! La musique est encore trop forte, hein, ça... Désolé, mais... En fait, j'ai pas envie de supprimer la musique, c'est trop grave de supprimer la musique dans un jeu. Juste pas faire ça. Faut encore que je baisse le son sur OBS, quoi, c'est trop chiant. Surtout que le jeu, moi, il se ferme à chaque fois que... Enfin, pas il se ferme, mais il se minimise de fou, quoi. Je peux même pas entendre la musique avec le son que je baisse. Enfin, après, j'ai pas le retour vraiment de ça. Donc... Enfin, c'est fort. Ok. J'ai pas la pomme moi, je peux pas attaquer avec la pomme encore, c'est après. Allez. Mouiou. Putain le... La musique, elle colle tellement pas en plus. Le son, il est trop fort et la musique colle pas, c'est trop grave. Tu ne nous échapperas pas. Genre là, je me dis pas, ouais, ça c'est les assassins du Levant, ça, en entendant cette musique. Hop les... Trop hâte de buter à basse, là. Ça fait depuis Assassin's Creed 1 que j'attends ça, évidemment. Quel enfer cette musique. Échappez-vous du secteur. J'essaye. What? Ah, faut partir par en haut. Ok, my bad. Ok. Je vous jure, la musique là, oh, je la supporte pas, hein. Personne ici? Étonnant. Bonjour. 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 Ok. Père, j'ai eu ton message. Que s'est-il passé? Ah. Darim, va-t'en. Fais voir ta gueule, Darim. Ils tous devenus fous. BG, Darim. Tu ressens pas Altaïr, par contre. S'il te faut plus de couteaux, en voilà. Ah, merci. Oh, super. Palpitant, ça. Où est mère? Mère est morte. Elle est morte, Darim. Devant toi. Comment? À toi, bah... à mes côtés. Mais sors une arme quand même, sois pas con, Altaïr. Vas-y, viens. Mes frères, ce combat est futile. Raisonnez sur les fins. Les mensonges les ont empoisonnés. Oh, j'ai raté mon compte, sans déconner. Hop, les. Vraiment, j'ai envie de... Et tu vas où, mec? Yo. Attention. Darim, tu fais quoi, là? Meurs, toi.
Vas-y, on se bat. Ok, bien. Bah, je veux bien me rapprocher de la cible, mais mon fils de con là. Vas-y, non, 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 vite. Annule le combat, annule le combat, annule le combat, annule le combat. Ah. Oh. Mais tu vas où, mec? Oh, je te jure, il me fait serrer. C'est quoi ces mouvements de con là? Non mais lève-toi, putain. Ok, ok, on est bon. Bordel. Non mais, hé. Restez pas en plein milieu non plus, les poteaux, là. Les pégus. Dans les... Ah, mon pote... Voilà, tu décèdes. Voilà, meurs. Ah, évidemment qu'il y a un assassin, t'es con, quoi. T'es un massiaf, mec. Vas-y, attaque. Ok, là on est en... On est parti. On est parti. C'est juste du contre. Voilà. Trop facile. Ah mais, hé, c'est bon, toi, tu veux pas mourir? Merci. Le gars, il vient d'apparaître dans la fumée, hein. Il est temps de partir. Ok. Ah, oh, c'est pas la meilleure des missions, je vais pas vous mentir. T'as déjà dit. Mais prends le tupa Abbas maintenant là. Genre couteau de lancer, c'est fini non? Un peu comme ça, j'imagine. Je sais pas comment il est lancé, je vais pas monter. Un peu forte la musique, hein, non? Toujours pas? Si, non? Je trouve aussi, non? Ok, donc c'est fini, j'imagine? Ou il y a une suite à ça? Ok, non, c'est fini. Ça, c'est mémoire 5 terminée, j'imagine, du coup. Séquence 5 terminée, mémoire synchronisée. Est-ce que ça nous sort de l'animus? Ça a l'air de nous sortir de l'animus. Donc on va juste voir ça et on terminera sur ça. Ça se corse! Bonne nouvelle, Claudia. J'ai enfin un nom. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Le neveu de l'ancien empereur byzantin Constantin. Littéralement, Florent Pagny, je vous jure. La tête des Templiers. Il ressemble trop à je Florent Pagny. Maintenant interroger un traître janissaire. Ça me perturbe le fait qu'il ressemble à Florent Pagny. Pour apprendre où se trouve l'armée des Templiers. En attendant, l'armée des Templiers. Sophia et moi continuons à chercher la seule clé qui demeure cachée. À chaque minute qui passe, mes chances s'amenuisent. Pourtant, je ne peux m'empêcher de savourer les moments que je passe à ses côtés, à entendre sa voix, et à admirer la manière dont son visage s'illumine lorsqu'elle parle de ce qu'elle aime. Ah, il est amoureux ! Ses livres, sa ville, ses souvenirs. J'en finis par appréhender le moment où je trouverai la dernière clé. T'inquiète même pas, mon pote. Tout va bien se passer. Ok, donc on sort pas de l'animus au final. Mais... Pourquoi j'ai une cible encore là-bas, ça se trouve. Pas besoin de sortir de l'animus parce que de toute façon, nous allons monter quelque part avant de nous. Parce que c'est toujours mieux de terminer sur une belle vue, en plus là c'est un... Quoi? Et pourquoi il me lance ça? Bon, bah on va regarder les cinématiques, après on quittera, du coup. Est-ce là une nouvelle règle? Je voulais pas faire ça, moi. C'est une variante européenne. Aroko. Ah, l'Europe. C'est intéressant, mais il est injuste de ne pas...
dois suivre les mêmes règles que ton adversaire. Tu pourrais changer d'avis une fois sultan. Tu préfères comme cela ? Sous les mains. Ah, moi je veux juste monter. Je vais pas lancer une quête là. Grand-père t'a choisi, et sa parole est loi. Que puis-je redire à cela ? Bah rien du tout, pense. Nous étions proches autrefois, mais sa cruauté et son ambition m'ont peut-être... Oui, j'ai entendu les rumeurs, mon oncle. Bien. Il faut que je me rende à une réunion des vizirs. Nous continuerons une prochaine fois. Quand tu le voudras. Ça va. Il jure ça ou Ezio il arrive ? Ezio il arrive évidemment. Tarik vend des armes à un riche notable. Putain, mais je vais finir. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Un nom si funeste. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire grec. L'empereur s'appelait Constantinos Palaiologos. Ah. Si ses descendants arment une milice, ce conflit va dégénérer. Tarik connaît la destination de ses fusils. Si je le retrouve, je n'aurai qu'à suivre les armes jusqu'au Byzantin. Il est avec ses janissaires dans leur caserne. Si tu veux réussir à y entrer, tu devras te faire passer pour l'un d'eux. Faisable. C'est faisable. Mais ce sera vendredi prochain, ça. Soutire-lui l'information. Puis élimine-le. Je veux bien, mais pas maintenant. Vraiment, vendredi prochain, dans une semaine. N'as-tu pas dit que Tarik et ton père étaient amis, Suleiman ? En effet, mais une trahison si flagrante envers mon grand-père mérite la mort. Ok, je peux monter mon bâtiment maintenant, s'il vous plaît ? Ah ! Je vais refuser, par contre. Je vais pas accepter, comme ça je me retaperai la cinématique la prochaine fois. Et ça, c'est smart. Oui, je dis que je suis smart, moi-même. J'ai besoin de personne. Ok, on va pas monter ce bâtiment-là, du coup, on va monter le bâtiment derrière. Ok. On va monter ça. Et on va se lâcher sur ce bâtiment-là. Oh. Voilà. N'est-il pas magnifique ? On va retrouver une belle vue. Oh. Oh là, on est bien. Voilà. Donc, il est maintenant 1h30 du matin. 1h33 même. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit, une bonne soirée, enfin pareil c'est peut-être trop tard maintenant, une bonne journée, un bon dimanche même, et nous on se voit certainement lundi pour Guild Wars, ou demain en vrai j'en sais rien, peut-être demain vu que demain c'est dimanche aussi, là je suis en train d'essayer de galérer avec mon stream deck pour afficher mes scènes, hein, vous inquiétez pas, et voilà, donc soit demain, soit lundi pour Guild Wars, pour faire ma quête niveau 40, finir ma quête niveau 40. Et ben en attendant, vous le savez, je le sais, c'est une fin de stream. J'ai pas réussi ma transition, c'est une fin de stream, voilà.